Nous sommes ici sur une plantation à Parcieux qui a été initiée par la mairie de Parcieux qui souhaitait installer des arbres fruitiers en libre accès pour la population et ainsi qu'une petite haie champêtre pour cacher un bâtiment qui n'est pas très esthétique. La petite haie va être faite à partir de végétaux locaux, de la marque végétale locale. Donc c'est vraiment des graines cueillies dans la nature et élevées en pépinière qui permet d'avoir une très grande diversité génétique pour mieux résister à tous les aléas et qui va apporter des baies, des graines, de la nourriture pour la faune du toit. Ça fait des prunus, mais ça doit être du prunier. C'est Spinoza, non? C'est quoi? Prunus Spinoza? C'est ce qu'on appelait des polos avant. Ouais. Voilà. Donc. Et ça, c'est un rosier, mais c'est un rosier sauvage. C'est Rosa. Rosa Canina. Alors, on cherche de l'or? Les arbres fruitiers ont été pris dans une petite pépinière de l'Ardèche et ils sont disséminés sur le terrain pour avoir la place de pousser sans entretien. Cette plantation est faite tout près d'une piste cyclable, ce qui donc a du sens parce que les promeneurs pourront venir cueillir les fruits. Bah, je te laisse m'expliquer pourquoi tu as eu envie de venir planter des arbres fruitiers aujourd'hui. Bah parce que déjà je pense que pour l'écologie c'est important, enfin les arbres ils captent le CO2 avec la photosynthèse et ils rejettent du dioxygène, donc pour nous c'est important qu'il y ait toujours des arbres, pour la biodiversité aussi je pense, par exemple pour les oiseaux, j'aime bien les oiseaux, donc voilà. Et puis surtout au moins ça fait sortir, on fait des choses, on est ensemble. Voilà, donc ça m'intéresse. J'ai pas envie de laisser notre planète comme ça se dégrader sans rien faire. Quoi. Pourquoi vous êtes heureuse aujourd'hui de venir planter des arbres avec votre fils? Tout simplement parce que on commence déjà par un moment en famille et ça nous permet de régulièrement se reposer la question pourquoi on le fait, quel est l'intérêt pour nous, pour la nature, pour leur avenir, etc. Et évidemment de les sensibiliser à ça. Et tout le monde a beaucoup de plaisir après à se promener et voir quel est le résultat à notre plantation et de voir les haies pousser petit à petit. Voilà. Ouais, ça va grandir là. Allez, vas-y, patate. Elle pousse.